Salut tout le monde, c'est Dario en mode El Generale Pimpas. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une superbe réplique qui m'a été prêtée le jour où j'ai tourné la vidéo du magasin Liberator. Bon, le problème c'est que c'était à la fin de la journée, ce qui fait qu'il ne restait plus beaucoup de temps, d'où le fait que la vidéo va être assez courte pour le coup. Mais tu connais hein, même quand c'est court, c'est pimpé chez El Generale Pimpas. Mais avant de commencer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner à mon compte Instagram, Mr Pimpas officiel, Twitter Mr Pimpas et Snapchat, enfin Facebook, t'as tout ce que tu veux. Hein. Un grand merci aussi à tous les tipeurs, hein. Merci à vous, vous soutenez à fond, ça fait plaisir. Et allez voir dans la description, il y a le lien du magasin Liberator. Alors là, on se retrouve avec un petit classique Army, Mike Wogan. Tu as encore aimé la petite phrase du genre, je m'y connais un truc de fou. À chaque fois, je te fais le coup, hein, je sais que t'apprécies. Et tu vois, là, ils ont eu un autographe apparemment d'une idol, une Gravia Idol. Gravia Idol, hein, c'est les filles qui posent en maillot de bain en général. De l'idol Suzuki Saki, que voilà ici en tenue d'airsoft. Et pour ma part, hein, tu connais, c'est la première fois que je teste une réplique de ce calibre. Et sincèrement, j'ai toujours rêvé faire ça depuis que j'ai checké le film Predator 1. Vous vous rappelez la scène où les mecs ils tirent comme un fou? J'ai kiffé, je suis tombé amoureux de la Gatling. Alors on va tester ça sur leur shooting range right now. Donc, le truc est assez lourd, à savoir que c'est avec un système hybride électrique et à gaz. Il n'y a qu'un seul mode, c'est le mode full auto. Pour pouvoir activer la gâchette, tu appuies ici. Là, c'est plus en mode safe. Quand tu lâches, t'es en mode safe. Et nous, on va passer en mode plus safe. Hop, on active et on y va. Hein. Ah, moi, ça, c'est un truc de fou. Ça envoie du lourd. À savoir que ce petit engin peut t'allumer 3000 bibis. Tu peux mettre dans le réservoir à bibis, on va dire. 3000 bibis. Ouais, j'appelle ça réservoir. Parce qu'en fait, pour recharger les bibis, tu ouvres ici et tu les mets directement à l'intérieur. Et ensuite, t'as plus qu'à allumer, mon ami. Alors je te le dis, c'est très lourd, donc c'est pas le truc que tu vas te trimballer dans une wiresoft. Mais plaisir. Imagine, t'es là, t'es posé, t'as tous les mecs qui sont devant toi, mais là t'as plus qu'à allumer, t'es comme ça direct. Y a plus de bibi. Bah voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors si t'as aimé, je compte sur toi pour un max de like. Tu me dis ce que t'en as pensé en commentaire. Tu t'abonnes à mon compte Instagram, Mr Pimpas. Puis si tu l'as pas encore fait, bah je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne, ok? Allez, ciao!